Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Ich denke, dass die Thematik Geoinformation haben Sie schon mehrmals heute Morgen gehört. Ich habe mir entschieden, in meiner Muttersprache zu sprechen, nämlich in Französisch, aber im Sinne der Offenheit und Transparenz werden Sie die Folien in Deutsch anschauen können. J'aimerais structurer ma petite contribution de la manière suivante. D'abord, vous montrer l'importance de la géoinformation, puis l'état concernant l'accès à ces géoinformations publiques. Vous parlez un peu des chances d'un accès libre, mais également des risques, et je terminerai par une petite conclusion. Mesdames et messieurs, la géoinformation, c'est une des ressources principales de notre siècle. La mise en œuvre des politiques publiques dites à incidence spatiale, de par leur accès direct ou indirect au territoire, nécessite des informations géographiques ou géoinformations, à la fois mémoire du territoire, support à la décision ou aide à la communication. La géoinformation constitue une ressource cognitive importante. Elle est également la base dans les processus de prise de décision et de gestion à tous les niveaux, du local au global. Dans la plupart des pays industrialisés, les géoinformations sont devenues une composante importante de l'économie nationale au cours des dernières décennies. À l'aide des géoinformations, de la valeur ajoutée est créée dans la sphère économique, au sein de l'administration et dans la vie quotidienne. C'est principalement pour cette raison que la Confédération a élaboré une stratégie dans ce domaine il y a déjà quelques années. La nouvelle loi sur la géoinformation et ses ordonnances qui l'accompagnent sont par ailleurs entrées en vigueur au milieu de l'année 2008. Outre les influences étatiques, le marché de la géoinformation a également été marqué dans un passé récent par une dynamique mondiale. La stratégie libérale de multinationales privées a notamment exercé une forte emprise sur le marché international de la géoinformation au cours de ces dernières années. Avec les produits proposés par ces sociétés, des géoinformations sont devenues disponibles gratuitement pour tout un chacun du jour au lendemain. Au vu de tels facteurs d'influence, la question du positionnement du secteur public dans le domaine de la géoinformation se pose. Quelques éléments de réponse. 60 à 80% de toutes les décisions politiques, économiques ou privées se basent sur de la géoinformation. On l'a également entendu déjà avec le premier conférencier de ce matin, location, location, location. La géoinformation, à mon avis, fait partie de l'infrastructure d'une démocratie qui fonctionne bien et le développement durable n'est possible que sur la base de géodonnées précises, fiables et avant tout pérennes. De nombreuses études montrent que la géoinformation est un bien économique de premier rang. En effet, un franc investi dans la géoinformation rapporte entre 4 à 7 francs à l'économie. Les informations géographiques recèlent donc un immense potentiel économique, ce qui vient souligner l'important volume de ce marché. Au sein de l'Union européenne, au début des années 2000, les gouvernements consacraient annuellement quelque 10 milliards d'euros à la gestion de l'information du secteur public. À remarquer que la moitié, environ 5 milliards, donc, concernait le domaine de la géoinformation. Selon les estimations, le produit intérieur brut européen profite à hauteur de 60 à 70 milliards et à l'heure actuelle, en Suisse, les pouvoirs publics investissent annuellement environ 230 milliards dans ce domaine et le marché des géodonnées dans le secteur privé est estimé à environ 500 millions de francs, avec un taux de croissance d'environ de 5 à 10%. À titre d'illustration, les géodonnées de la mensuration officielle garantissent le bon fonctionnement et la sécurité du marché immobilier en Suisse et la valeur du parc immobilier estimée à 2 000 milliards de francs, dont près du tiers fait l'objet de garanties hypothécaires.
À noter également que la valeur de reconstitution de toutes les géodonnées en Suisse est estimée à environ 5 milliards de francs. Je passe maintenant à l'accès aux géodonnées. Cet accès, le premier conférencier l'a également déjà souligné, se passe pas si bien que ça. Les principales difficultés sont une mauvaise documentation des géodonnées, on ne sait pas toujours qu'elles existent, où elles sont stockées. Souvent, les géodonnées sont incomplètes, l'interopérabilité est parfois déficiente, des restrictions de toutes sortes dans le partage et l'utilisation de la géoinformation sont présentes. Ces restrictions sont d'ordre culturel, institutionnel, financier ou juridique. La coordination entre les différents échelons de l'administration n'est pas toujours existante. Il y a des prix élevés, un manque de transparence ou pas ou peu de soutien pour la formation et la recherche. Une enquête qui a été effectuée en 2008 demandait de mettre en évidence le facteur qui avait le plus marqué le marché de la géoinformation et la disponibilité des géodonnées de référence, donc les géodonnées de Swisstopho. Et ce facteur est justement cette mise à disponibilité. Il s'agit donc pour nous, pour Swisstopho, sur cette base, d'essayer d'éliminer le plus possible les barrières que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce problème n'est évidemment pas nouveau. De nombreuses études ont été faites dans notre office au sujet de la diffusion de l'information géographique, évidemment à quel prix. En matière d'émolument, la stratégie fédérale visait tout d'abord une harmonisation des conditions de diffusion avec les cantons et une réduction des émoluments pour la mise à disposition des informations. Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette demande tout en disant que la différence des coûts devait être compensée de manière interne. Donc, Swisstopho se trouve exactement dans la position du loser. Une mise à disposition gratuite des informations, des géoinformations de Swisstopho permet évidemment aux compagnies privées de se trouver dans la peau du gagnant. Le département des finances également, puisque des revenus supplémentaires en matière d'impôts sont également à atteindre. Par contre, pour Swisstopho, là, on est dans une situation plus délicate. Nous avons néanmoins mis en place cette loi sur la géoinformation. J'ai dit qu'elle était mise en vigueur en mi-2008. Et cette loi sur la géoinformation a pour but de faire que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux économiques, la population et les milieux scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement de géodonnées mises à jour au niveau de qualité requis et d'un coût approprié couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d'une large utilisation. Ici, avec notre nouvelle loi sur la géoinformation, quels sont les principes de l'Open Government Data qui sont respectés? Vous voyez que c'est quand même pas si mal. 7 principes sur 10. Le principe de la non-discrimination n'est pas respecté puisque souvent on demande de passer des contrats pour l'utilisation des géodonnées. Condition de mettre à disposition les géodonnées sans licence n'est également pas respectée, ainsi que la gratuité de ces géodonnées. Quelles sont les chances d'un accès libre? C'est d'éviter des investissements à perte dans des projets d'infrastructure. C'est grâce à des géodonnées normées, éviter des énormes investissements consentis dans la récolte d'informations, un accroissement de l'efficacité dans l'échange de données, donc une diminution des frais administratifs, un accroissement de l'efficacité dans la production de données pour éviter les doublons et possibilité d'acquérir les données en commun. Donc une augmentation des recettes d'impôts
et évidemment pour ces organisations concernées, en particulier Swisstopo également, une meilleure image. Pour les organisations au niveau privé, ces organisations ont la possibilité évidemment de créer de nouveaux produits, de participer à la croissance du marché de la géoinformation. Des gains de productivité sont également à atteindre, ainsi qu'une augmentation de la qualité des projets de planification. Dans le domaine de la formation et de la recherche, là on peut citer l'amélioration de la qualité de la formation, le développement de nouvelles applications dans les institutions de recherche et peut-être également une couverture de nouveaux marchés pour la géoinformation. Je pense par exemple à la médecine, à la sociologie, à la biologie, aux sciences économiques. Et enfin, pour le simple citoyen ou la simple citoyenne, outre le fait qu'ils utilisent chaque jour des géodonnées, il y a quand même une facilité grâce à la géoinformation de transposer l'information, de faire comprendre plus facilement son message et donc d'avoir une valeur ajoutée aux instruments démocratiques. Quels sont les risques liés à un accès libre? On peut dire peut-être que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Quel sera le financement assuré à long terme? Quelles seront les responsabilités, le contenu, la qualité? Qui va définir ces responsabilités? Quelles sont les règles liées à la réutilisation des géodonnées? Est-ce qu'on pourra faire n'importe quoi? Autrement dit, quelles seront les compétences des utilisateurs? Est-ce qu'il n'y a pas le danger de changer simplement d'un monopole public ou étatique à un monopole privé? Est-ce qu'il y aura moins de géodonnées publiques? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, l'armée devra aller se servir pour ces données auprès de compagnies privées? Est-ce qu'il y aura, enfin, moins de demandes? C'est une liste de questions auxquelles il est difficile de répondre pour moi actuellement, puisque je n'ai encore jamais été dans cette situation, mais nous devons nous atteler à répondre à ces questions. Un simple exemple, au niveau du financement, les Américains ont longtemps fait figure de proue en matière de libéralisation de l'accès aux géodonnées, et actuellement, le gouvernement américain est en train de réduire ses budgets relatifs aux géodonnées, ce qui veut dire que il va se passer exactement ce que l'on craint, c'est que les utilisateurs ne pourront plus obtenir les données de qualité qu'ils avaient jusqu'à. Quelques conclusions donc, à mon avis. L'ouverture des géodonnées publiques est un processus, à mon avis, vaste et complexe, qui implique de très nombreux acteurs. Elle redistribue l'information, le pouvoir, les responsabilités selon des lignes difficiles à anticiper. Ses conséquences se feront probablement sentir dans de très nombreux domaines. Elles influeront de nombreux métiers et certains modèles économiques devront être redéfinis. Selon la manière dont l'accès aux géodonnées sera réglé, selon ce que nous ferons après avoir ouvert cet accès, certaines de ses conséquences pourraient être moins positives pour nous en tout cas, que ce que nous le souhaiterions. Les usages d'Internet ont largement contribué à propager chez tout un chacun le sentiment de tout gratuit. Cela vaut évidemment également pour les géodonnées. Les gouvernements doivent dans ce domaine redéfinir leurs modèles économiques. Tant que les conditions cadrent au niveau politique, juridique et financier, je resterai donc prudent quant à une ouverture immédiate de l'accès aux géodonnées de Swisstopo. Encore une fois, un retour en arrière ne sera plus possible, et comme il est difficile de prévoir ce qui se passera après avoir ouvert cet accès, faisons attention à ce que les conséquences soient positives pour tous les partenaires, donc y compris également pour Swisstopo. Néanmoins, je vous souhaite une cordiale bienvenue sur le géoportail de la Confédération, map.geo.admin.ch. Ce géoportail vous donne accès librement à une centaine de jeux de données de la Confédération, donc pas seulement de Swisstopo, mais également d'autres offices de la Confédération, comme l'Office fédéral de l'environnement
l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, de l'Office fédéral de la statistique et bien d'autres. Merci de votre attention. Vielen Dank, Herr Amstein, für diesen Vortrag. Wir werden sicher heute Nachmittag auch noch im Rahmen des Politikworkshops diese Themen besprechen mit Finanzierung und so weiter. Gibt es jetzt eine brennende Frage? Wenn nicht, würden wir zum nächsten Referat wechseln.